Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les nouveaux abonnés. C'est ce que je m'appelle Samuel Samadogo de Sam Business Trading Academy. Je suis un passionné de la crypto-monnaie. Quand je suis monté en crypto-monnaie, j'investis dans ce secteur-là. Alors, je fais des vidéos en ligne comme ça pour aider tous ceux qui veulent s'aventurer dans ce domaine-là à tout simplement investir leur argent. Mais avant tout, prenez le temps de faire vos recherches avant d'investir parce que je ne suis pas conseiller en investissement ni en finance. Je n'ai pas fait d'études dans ce domaine-là. Je suis juste passionné de la crypto-monnaie, un secteur, un milieu qui rapporte vraiment des pourcentages extraordinaires sur vos retours sur investissement. Alors, je fais ces vidéos pour vous aider tout simplement à vous aventurer dans ce milieu-là. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est plus ou moins important parce que là, voilà, on va essayer de voir comment ouvrir un compte sur l'échangeur KuCoin. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un échangeur, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle l'on peut acheter et vendre tout simplement de la crypto-monnaie. OK, à partir de l'échangeur, tu pourras acheter les crypto-monnaies que tu désires ou les revendre tout simplement. OK? Voilà, donc c'est le rôle de l'échangeur qui est juste là. Parfait. Donc ici, nous avons des échangeurs, nous avons plus de 400 échangeurs qui sont plus ou moins fiables dans les marchés. Et donc aujourd'hui, moi, je vous recommande tout simplement de si vous voulez faire acheter et vendre vos crypto-monnaies, d'utiliser tout simplement les 10 premiers. Je peux citer Binance, je peux citer Bitrate, je peux citer Polynex, je peux citer KuCoin, citer Get.io, etc. Voilà. Donc, il y en a assez. Mais aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment ouvrir un compte sur l'échangeur KuCoin. Voilà. C'est un échangeur qui est vraiment super, qui est vraiment top. Après, Binance, c'est le second échangeur que j'aime bien, facile à utiliser. Pour les débutants, c'est très facile à manipuler. Et puis, bon, voilà. Il propose vraiment des services aussi qui sont très, très intéressants. Donc, c'est pourquoi je prends le soin quand même de vous montrer après Binance, parce que je vous ai déjà montré comment créer un compte sur Binance. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous montre comment créer un compte sur KuCoin, parce que c'est presque les mêmes plateformes. Voilà, ils ont vraiment un truc qui se ressemble tout et tout et tout. Donc je pense que après Binance, vous pouvez tout simplement acheter vos crypto-monnaies sur la plateforme KuCoin aussi. Alors on se retrouve sur mon écran tout de suite et là maintenant, je vous montre comment tout cela se passe des points. Parfait. Voilà, nous sommes là et là, ici, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les liens de l'inscription dans la description de la vidéo, ok? Donc, il vous suffit juste de cliquer sur les liens pour vous inscrire. Voilà, lorsque vous cliquez sur les liens pour vous inscrire, vous aurez tout simplement des pourcentages de réduction sur vos différents achats et ventes de vos crypto-monnaies, ok? Par rapport à aller sur le site directement pour aller vous inscrire. Donc, cliquez sur ce lien que je vais mettre dans la description pour tout simplement vous inscrire via la plateforme KuCoin. Donc, je colle ici ce lien-là et je clique entrer. Voilà. Et là, ici, on va se retrouver tout simplement sur la page d'inscription. Voilà. Donc, ici, nous sommes là sur la page d'inscription et il y a l'inscription via téléphone et il y a l'inscription via email. Je vous conseille toujours d'utiliser l'inscription via email. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur téléphone, ils vont vous demander de choisir votre pays, mais je vous conseille pas ça. Prenez plutôt l'inscription via email. Là, ici, on va vous demander votre email tout simplement. Alors, on va toujours utiliser le même mail. Voilà, pour la démo. Voilà. Ce sont des comptes de démonstration que je n'utilise pas, mais je vous montre comment faire ici. On va se positionner là. Donc, ici, là, nous avons tout simplement ici, voilà, le mail que vous mettez. Lorsque vous mettez le mail comme ça, vous cliquez sur « Envoyer le code ». Cliquez dessus, envoyer le code. Donc, je clique dessus, envoyer le code. Donc, automatiquement, ils vont m'envoyer un code dans mon email. Mais avant, ils vont vous demander, par exemple, de dire que vous n'êtes pas un robot. Donc, je ne suis pas un robot. Vous cochez là. Peut-être qu'ils vont vous demander feu de circulation. Donc, pour cocher les feux de circulation, suivant. Gorge d'incendie, je ne vois pas. Donc, allez, c'est accepté et parfait. Donc, ici, on va m'envoyer un mail tout simplement. On va m'envoyer un mail. Permettez-moi aussi. Je dois me connecter au mail ici. Voilà. Gmail. On va mettre. Voilà. C'est mon téléphone qui se redémarre là. Donc, je suis obligé de me connecter au mail ici. Voilà. Voilà. Hop. On reste mot de passe.
j'ai peut-être oublié le mot de passe. Parce qu'il y a bien longtemps que j'ai utilisé cette adresse email là. Alors, je pense que c'est appelé à vous maintenant. Parfait. Pas maintenant. Voilà. Donc, quand il m'a envoyé les mails ici, donc j'ouvre les mails là. Et donc, j'ai un code qui est là. Je copie ce code là. Voilà. Je fais un copier-coller. Copier là. Et là, je vais coller ça ici. Je colle ça là. Tac. Et là, on me demande un mot de passe. Prends toujours pour la démo. Je passe sans un Samuel. Voilà, c'est un mot de passe que j'utilise comme ça pour les démos. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les mots de passe, arrangez-vous pour qu'il y ait des majuscules. Vous voyez, j'ai mis un S majuscule et des minuscules, des caractères et puis des chiffres. Vous voyez, j'ai mis les caractères @ et puis j'ai mis un 20. Donc, arrangez-vous pour que votre mot de passe soit plus ou moins comme ça pour, voilà, pour éviter un peu le truc et tout ça. On dit code de parrainage, c'est déjà, ça est déjà là. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez tout simplement sur s'inscrire en bas ici. S'inscrire. Voilà, inscription réussie, voilà. On vient de s'inscrire tout simplement sur Eurocoin. Parfait. Alors, ici. Voilà, c'est parfait. Donc, voilà. On dit trade rapide, dépôt, communauté, etc., etc. Ok, donc, je vais fermer ça. Et là, on se retrouve sur la page ici. Vous venez sur vos actifs, vous venez sur actifs ici. Voilà, compte principal, dépôt et retrait. Voilà, vous allez voir toutes les crypto-monnaies qui sont listées. Donc, vous voyez, voici toutes les crypto-monnaies qui sont listées tout simplement sur le coin que vous pouvez acheter et vendre tout simplement. OK? Voilà. Donc, voilà, l'objectif, c'était de vous montrer comment vous pouvez créer les comptes, tout et tout. Voilà. Donc, ici, à partir de là, maintenant, vous pouvez désormais faire des dépôts des crypto-monnaies ici, faire des retraits, etc. Supposons, par exemple, qu'on veut déposer du Bitcoin ici. Donc, il y a la barre de recherche qui est là. Donc, vous tapez, par exemple, dans la barre de recherche BTC. Donc, vous voyez, BTC s'affiche là. Et juste en face, ici, vous voyez, c'est écrit dépôt, retrait, transfert, land. OK? Donc, je clique, par exemple, sur dépôt. Dépôt, voilà. Donc, sur le compte principal, c'est ce qui va se passer. Et donc, on me donne l'adresse ici, l'adresse du dépôt. Donc, voici l'adresse qui est là. Il suffit juste de cliquer ici sur copier, là. Vous voyez, copier ici. Et je vais aller là où j'ai les bitcoins, ou bien la personne qui veut m'envoyer les bitcoins, je vais lui transmettre tout simplement cette adresse-là. On me recharge. Et puis, bon, voilà, quoi, je vais recevoir tout simplement mes bitcoins très rapidement. OK? Donc, vraiment, c'est très, 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 très simple. Donc, voilà, quoi. Alors, ici, c'était pas l'objectif, mais je profite en même temps pour vous montrer comment faire les dépôts et tout ça. Voilà. Donc, ici, par exemple, pour faire un retrait, je prends toujours l'exemple des bitcoins, pour faire un retrait, vous allez cliquer sur retrait et ils vont vous montrer tout simplement les montants que vous avez. Voilà. OK? Parfait. Donc, j'ai pas vraiment des trucs. Donc, ici, avant de faire un retrait, par exemple, ils vont vous demander, par exemple, de sécuriser les comptes. OK? Voilà. Vérification par SMS ou Google Authenticator. Voilà. Et puis, configurer aussi un code de trading. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour ne pas rendre cette vidéo-là plus longue. On est déjà à 8 minutes. Donc, pour vous montrer comment vous pouvez sécuriser ce compte-là et puis créer, comment on appelle, votre mot de passe de trading. Parce que il vous faudra ça. Pendant le retrait, vous aurez besoin de votre mot de passe, vous aurez besoin de votre code de trading, vous aurez besoin de votre code authentificateur, soit Google Authenticator ou bien SMS. OK? Donc, je pense que je ferai une vidéo tout simplement pour vous montrer comment sécuriser ce compte-là. OK? Voilà. Donc, avant tout, ils vont vous demander de faire ça. Donc, quand vous allez finir de faire ça, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire tout simplement des traits. Donc, lorsque nous allons faire ça, nous allons profiter en même temps pour montrer comment vous pouvez tout simplement faire les retraits tout simplement. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like tout simplement, laisser un commentaire et surtout s'abonner à la chaîne pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Si c'est, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était Samuel Sarabogo de Sam Business Trading. Je vous remercie.